Alain, propos d'un Normand. Noël. Qui ne serait touché au plus profond par ce beau mythe de Noël? Allégresse, espérance, promesse, au cœur même de l'hiver, justement quand la neige vient, et alors que le soleil paresseux traîne encore sur l'horizon. Mais, d'après des indices sûrs, j'annonce que ce monde brumeux va s'éclairer de nouveau. Dans la neige même, j'aperçois le premier pas du printemps. Ainsi, l'espérance vient s'asseoir au coin du feu. Chacun l'entende comme il voudra, à double ou triple sens, comme il plaît à la tête humaine, toujours industrieuse, musicienne et juste tout ensemble. Il est né quelqu'un qui sauvera les hommes par l'amour. C'est une belle nouvelle à chanter, au milieu même de la plus longue nuit, des plus tristes triomphes et des plus noires prévisions, si c'était vrai. Les choses que chante l'Église, nous les savons, nous les croyons, nous les voulons tous. Mais les prêtres n'y pensent plus. Ils prennent cette belle histoire comme une vieille histoire, qui est finie. Le Sauveur est venu, le salut est venu, tout est bien. L'injuste triomphant, c'est bien. Les petits-enfants dans la crotte et le froid, c'est bien. La guerre, c'est bien. L'ordre supérieur se déroule. Après 20 siècles, que peut-on voir de plus beau qu'un roi sauvage qui veut que l'on bénisse les premiers coups de canon? Que peut-on voir de plus beau que la justice armée et frappant la première? Que la guerre ouvertement divinisée? Je voyais hier, sur un journal illustré, le portrait d'un pope avec un fusil et des cartouches. Vous voyez bien qu'il est né, il y a 20 siècles, celui qui nous sauvera par l'amour. Et voilà son ministre. Je ferai mon Noël au coin du feu, avec de bons livres, de ceux qui n'ont point menti, de ceux qui annoncent toujours, non point dans ces églises menteuses, où je vois que l'industrie et le brutal ont toujours la place honorée. Pour l'innocent, contre les juges aveugles, contre les témoins faussaires, pas un serment en chair, pas un mandement, pas un mot, pas un signe du chef spirituel. Et maintenant, pour 100 000 innocents massacrés, contre la guerre toujours menaçante, contre une monarchie qui se dit très catholique, contre des chefs qui changent en gloire le meilleur sang de leurs sujets, comme une monnaie destinée à cela, pas un serment en chair, pas un mandement, pas un mot, pas un signe du chef spirituel. Le pouvoir moral est complice de l'autre, partout, toujours, depuis 20 siècles. Dire qu'un homme est catholique maintenant, c'est presque la même chose que de dire qu'il aime l'injustice, la tyrannie, la guerre, chose étonnante, plus que sa propre vie. Il est né, l'enfant divin. Il a grandi. Il est fort. Il tient l'épée. Hosanna à celui qui tient l'épée. Hosanna à toute force. Hosanna à tout succès. Belle chanson de Noël. J'aime mieux lire dans la carte du ciel le chemin du soleil irréprochable. C'est le seul Dieu qui n'ait pas menti. 24 décembre 1912.